Encore un, voilà. C'est quand même assez régulier en fin de compte. Encore un, ouais, parfait. Voilà, vous avez vu le nombre de cœurs qui a popé là au mètre carré, c'était juste incroyable. Vous l'aurez compris, le but de cette vidéo est justement que l'on voit comment avoir plus de cœurs. C'est ça que l'on souhaite faire ici. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Alors, je pense que vous voulez savoir comment on fait pour faire apparaître des cœurs plus souvent, et oui, ce sera un avantage considérable. Alors déjà, pour commencer, il y en a un, c'est lui. Je peux pas vous montrer comment l'avoir, tout simplement parce qu'on l'a tout à fait au début du jeu, et j'ai justement présenté une vidéo sur comment avoir cet item-là. Cela dit, le second, on va le faire ensemble. Alors, voyez que je suis situé à la cité Gerudo. Donc pareil, il faut avoir avancé un tout petit peu dans le jeu et être arrivé là. Et là, on va s'adresser directement à ce PNJ-là, tout simplement. Voilà, donc il s'agit d'une quête. C'est très simple. Il suffit maintenant de se rendre au nord, à cet endroit. On se téléporte au plus proche. Puis à droite. Dans cette grotte, il y a des ennemis. Il va falloir tous les affronter. Alors là, vous pouvez utiliser des échos qui font des AOE, ce sera le mieux. Moi, je vais directement utiliser un écho vachement violent, mais vous pouvez totalement utiliser des échos moins puissants, parce que vu ce qu'on affronte là, franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc c'est parti, on fait le ménage. D'ailleurs, vous pouvez apprendre ceci au passage, ainsi que les petites araignées, les grouilleurs. Et voilà, il n'y a même pas besoin de tuer les autres ennemis, on peut y aller direct. On va à l'intérieur. Et voilà, c'est chose faite. Et en récompense, on obtient ceci, la barrette cœur. Très utile. Et en plus, on a validé une quête. À présent, on se rend ici. On enlève par exemple cet élément-là, peu importe, et on y ajoute ceci pour bénéficier des cœurs lorsque l'on va couper de l'herbe ou casser des caisses ou casser des jarres, etc. etc. Donc justement, c'est ce que l'on vient de voir dans cette vidéo, comment obtenir davantage de cœurs, en faire popper plus. Ce sera tout d'ailleurs pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye!